and mild kind of cat. But I'm a daring hero, and I like being that. When I see a friend in need, I want to be a friend indeed. I just pretend, and suddenly, I'm anyone I want to be. A courageous kind of cat. He's Waldo Kitty, strong and bold and kind and true. Stopping evil villains, there's nothing he can't do. Danger calls like Tyrone's bark, or an enemy is near. I soon become a heroic cat, and troubles disappear. Oh, Waldo, what would we do without you? Ben voilà, ça, ça c'est la vie, voilà, ça oui. Waldo, hein? Descends de là, veux-tu? Oh non, mais j'étais bien ici, moi. Oh non, oh là. Et voilà, je suis sûrement le seul chat de tout le quartier à avoir une vie de chien. Tu m'as appelé mon grand. Oh. Bon, c'est tout d'abord. Ah non, s'il y a une chose que je ne supporte pas, c'est qu'on me siffle dans les oreilles. Alors ça. Attends, tiens, on dirait le corbeau et le renard. C'est amusant. Allez, descends de la toi. Ou je monte. Ah, bravo, c'est très bien, mon chien. Ah, ben y'a pas quoi. On devient un bon chien, car. Continue, continue comme ça et empêche cet oiseau, ce voleur, de venir dans mon jardin. Ah, c'est bon, on peut s'y attendre un peu. Bonjour Félicia. Non, as-tu vu cet affreux chien? Il est tellement méchant que des fois, j'ai envie de le griffer. Ah, moi aussi. Seulement, il y a une petite chose qui m'empêche d'aller lui donner une bonne correction. Ah, quoi? J'ai peur de lui. Oh, tu devrais avoir honte. Je ne connais pas un seul chat aussi peureux que toi. Miaou, 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 miaou. Voilà. Oh, je suis énervé. Ah, attends un petit peu, oiseau, je vais t'aider. Merci, Félicia. Mais au fait, pourquoi tu ne te sers pas de tes ailes? Tu pourrais voler. Oh non, pas toi. Le maître de tyran me traite déjà de voleur, alors. Allez, descends. Oh, c'est bien. Le corps de fleur. Mais faut une place de fleur. Toi, laisse-le tranquille. Espèce de grosse brute. Mais je sais comment que ça veut dire, ça. Hein? Oh, merde. Oh, oh, miaou, miaou. Oh, pas des miaou, mais attends, je peux m'aider. Waldo, aide-moi. Waldo, aide-moi. Pas de vous faire. Sauve-la, Waldo, sauve-la. J'aimerais tellement pouvoir l'aider. Oh, au secours. Oh, si j'étais super chat. Oh oui, c'est ça, super chat. Je saurais trouver un moyen pour sauver Félicia. Super chat ne la laisserait pas en danger. Je ne resterai pas ici très longtemps. Je sais bien que je suis votre prisonnière et que je suis enfermée dans une cage, mais quelqu'un viendra à mon secours. À votre secours? Je voudrais bien savoir qui, mademoiselle Félicia, directrice générale de la Compagnie internationale d'écoliers. Vous avez encore beaucoup moins de chance qu'on vienne à votre secours que j'en ai d'épouser la reine d'Angleterre. Attendez, la musère, ce n'est pas tout. Vous ne réussirez jamais dans vos projets de conquête de la ville. Et qui se dressera contre moi? Oh, qui? Super chat, voyons, qui d'autre? Bah, super chat. Bah, super chat. Bah, super chat. Oui, il viendra. Oui, je le souhaite aussi. C'est pour ça que je vous retiens, Félicia. Parce que non seulement je vais contrôler la ville, mais surtout grâce à vous, je vais essayer en quelque sorte de chaparder Superchat. Vous avez compris ?
chat pardé. Ah oui, et comment est-ce que vous pensez pouvoir faire ça? Oh, c'est très facile. La réponse tient en deux mots. Vol de collier. Vol de collier. Arrêtez! Je n'ai pas agité mes clochettes. Pourquoi riez-vous? Vol géant de collier Antipus. La pénurie de colis Antipus commence à se faire sentir. Crise grave sur le marché des colis Antipus. En un moment pareil, tous les regards se tournent vers le paisible manoir de Super Chat. La police enquête toujours sur les voleurs de colliers. La police n'a aucun indice solide. Oh, c'est une drôle d'histoire, hein, Super Chat. Attention, Moellon, je te répète que je suis Super Chat uniquement après avoir mis mon costume. Et alors je deviens le défenseur de la loi et de l'ordre contre les bandits sans scrupules qui veulent détruire notre société. Ah oh, oui, je le sais, ça. Ah ah, je crois avoir deviné qui téléphone. C'est formidable. Allô, c'est vous, commissaire? Le ciel soit loué! Le ciel soit loué. Commissaire, laissez-moi essayer de deviner pourquoi vous m'appelez sur la ligne réservée aux commissaires en difficulté. D'accord! Oui, d'accord. C'est à cause de l'affaire des colliers. Les forces de police tout entières s'avèrent impuissantes. Et vous allez me demander de bien vouloir m'en occuper, c'est exact. Je ne vois pas un mot à ajouter à tout cela, Super Chat. Surprenant. Vous avez encore raison, Super Chat. C'est surprenant. Oui, surprenant. Vous pouvez compter sur moi, commissaire. Voilà, c'est bien ce que je disais. Je crois qu'il est temps pour Super Chat et Moineau de très vite entrer en action. Allons tout de suite nous déguiser si je trouve le passage secret. Vas-y, démarre tout de suite. Es-tu sûr de ne pas oublier quelque chose? Oh, excuse-moi. Ma ceinture, bien sûr. La sécurité avant tout, tu connais ma devise, même dans la poursuite de la justice. Tu veux déclencher l'ouverture de la porte, juste en face de toi. Tiens, fais-moi penser à téléphoner au réparateur quand nous reviendrons. Nous devons redoubler de vigilance maintenant. Ah oui? Ah mais pourquoi? Regarde, la voilà ta réponse. Attention, je vais déclencher l'agrandisseur pour famille nombreuse. Ils veulent sûrement nous empêcher de passer, hein? Attention, accroche-toi, Moineau. J'ai prévu une manœuvre efficace pour ces cas-là. L'atterrissage va être rude. J'ai également pensé. Oh ben ça, je ne le comprendrai jamais. Je ne sais pas comment tu peux faire tous ces miracles. Mais c'est très simple pourtant. Il suffit d'avoir des tas d'idées géniales dans la tête et des tas d'accessoires dans le coffre de la voiture. Il a encore réussi à nous rouler. T'as roulé, toi, c'était ton idée, mais j'ai la mienne. Quoi? Ah oui, je savais qu'il était trop malin pour toi. Allez, venez, j'ai une autre idée. Attention, regarde, un camion. Accroche-toi, Moineau, je déclenche les réacteurs verticaux. Ah,
j'ai eu peur. Oh, bon sang, ce camion ne nous a même pas vu passer. Ah non, mais je crois plutôt le contraire. Tu crois quoi? Je dis, je crois le contraire, il nous attendait. Vous n'êtes qu'une bande d'incapables. Mais voyons, l'amuseur, c'est toi qui nous a ordonné de lui tendre ses pièges. Vous connaissez le châtiment réservé en cas d'échec? Maintenant, rentrez immédiatement me faire votre rapport. Et ne me faites pas attendre. J'ai des tas d'autres vilaines actions à commettre. Veux-tu décrocher la ligne privée secrète pour commissaire à la veille de la dépression? D'accord. Ici la voiture de Super Chat, moine-nous à l'appareil. Oh, c'est trop fort. Non, tu veux dire que... Oui. Encore un vol de collier, je suppose. Oui, commissaire, nous venons vous voir tout de suite. Tu avais bien dit tout de suite, hein? Oui, bon, ben, c'était qu'une façon de parler, hein. Ce n'est jamais assez vite quand il s'agit d'aider la justice, moine-nous. Je suppose que c'est pas la peine de vous dire pour quelle raison je vous ai demandé de venir. C'est parce que ces voleurs échappent à toutes les recherches que vous faites. Exact, commissaire? Comme toujours, Super Chat. Et vous voulez apprendre qui est l'instigateur de ces crimes, exact? Oui, c'est exact, Super Chat. Alors je puis vous répondre en un mot, c'est l'amuseur. L'amuseur. Un, deux, trois, ça fait trois mots. Ah, l'amuseur, mais évidemment! Mais pourquoi? Oh bah ça, j'en sais rien, pourquoi? Bah, c'est pas toi que je le demande, idiot, c'est un Super Chat. Mais c'est évident, je pense. Cette canaille veut que tout le monde en ville se gratte et fasse ce qu'il demande. Ah, oh, je reconnais là son esprit, c'est bien ça. Oh! Ça oui, j'aurais dû y penser. Qu'est-ce que la police deviendrait sans vous? Si je n'étais pas là, le taux de criminalité pourrait doubler, mais je serais toujours là pour vous apporter mon aide. Super Chat, l'écoute. Petite devinette, qui est à l'appareil? Oh bah, qu'est-ce que je gague si je devine juste? Oui, je t'ai reconnu, prince des clowns du crime. Qu'y a-t-il encore? Tu as deviné que je volais tous les colliers Antipus pour que tout le monde en ville se gratte et fasse ce que je demande, exact? Exact. Bon, alors maintenant tu vas réfléchir encore plus, essaie de trouver un moyen efficace pour délivrer la jolie Félicia, directrice de la compagnie internationale des colliers Antipus. Oh, oh, n'essayez surtout pas de m'aider, défenseur de la liberté et de la justice, c'est un piège. Mademoiselle, localisez ce rire. Maintenant, au moins, nous voilà fixés. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Agissons sans perdre une seconde. Vite, à l'hélicoptère! Pourvu qu'on se trompe pas de fenêtre. Ça va. Que deviendrait la police sans l'aide de Super Chat? Je ne sais pas. Quoi? Vous ne réussirez jamais, espèce de... De canaille. Non, non, pas ça. Espèce de... De voleur. Non, 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 non. Ah, bon, alors attendez, peut-être... Non, ne cherchez pas, je le trouverai seul. Bon, alors écoutez, vous autres. Toute l'astuce, c'est de réussir à attirer ici Super Chat et Moineau et de les capturer, c'est clair. Si j'étais le bandit cruel que certains disent, je plongerais Félicia dans de l'eau bouillante, mais je n'ai aucune intention de la faire souffrir. Mais alors dans quoi est-ce qu'on va bien pouvoir la plonger? Ah oui, David, dans quoi on va la plonger? Bon, il est temps de passer aux choses sérieuses maintenant. Alors vous autres, j'ai dit il est temps de passer aux choses sérieuses maintenant. Oh, oh, vous n'êtes qu'un... Un bandit? Non. Ah, un escroc? Non. Bon, alors pourquoi pas crapule? Non, mais vous brûlez. À chaque aller-retour du balancier, vous allez descendre vers le... Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Croyez avoir essayé de vous dire tout à l'heure que je ne voulais pas entendre parler d'eau bouillante. Je comprends tout ce qu'on me dit, moi. Alors j'ai décidé de verser du lait. Quoi? Oh, Super Chat.
Et avec moi d'autres. Tu te demandes certainement comment nous avons réussi à retrouver ta trace. Non, ça m'est complètement égal. Eh ben, ça ne fait rien, je te le dirai quand même. Infâme grosse baudruche. Grosse baudruche? C'est ça. Oh oui, grosse baudruche. Alors voici comment je t'ai trouvé. Quelle heure est-il maintenant? Le quart. Exact. Qu'est-ce qui rime avec le quart? Oh ben, le hangar. Et qu'est-ce qu'il y a sous le hangar? Mais les fondations. Qu'est-ce qui rime avec fondation? Intuition. Exact. J'ai eu l'intuition que je vous trouverais dans ce hangar. Surprenant raisonnement, hein. Je dois ceci à une vie saine, un programme régulier de différents exercices. Si tu as le malheur de faire un seul pas de plus, super chat, Félicia plongera dans le lait. Comment? Cette menace te fera réfléchir. Fais attention, regarde derrière toi. Oh, tu ne crois pas que je vais marcher dans ce truc-là? Et toi, ça n'a aucun sens de cogner sur moi avec un poisson. Ah, justement. Ben, je voulais que ça t'étonne. Ça a réussi. Silence! D'accord. Alors, c'est elle qui traque. Oh, oh, vite, super chat. Sortez-moi de là. Ne craignez rien, ma chère. Oh ben, ce gredin nous a tendu un piège. Félicia est condamnée, hein. Garde ton calme, tu sais bien que jamais personne n'est en danger quand Super Chat est là. Cette fois, je crois qu'on a perdu. Il n'y a plus d'espoir. Tutut, moineau. N'oublie pas mon slogan. Ah, quel slogan? Lorsque Super Chat apparaît, l'obstacle disparaît. Oh, ben ça alors, je reconnais que c'est du beau travail. Mais qu'est-ce que c'était que cette poudre? De la rouille instantanée. Mais au secours! Ne craignez rien, Félicia. Super Chat et Moineau vous sauveront. Attends que j'aurai mon appareil de commande à distance, si je sais l'utiliser. Oh non, mais bien, mal, bien. Ah! Au secours! Ne craignez rien, Félicia, vous n'êtes pas en danger. Mais toi, tu l'es, super fan. Oh, c'est un piège. Cette fois, c'est fichu. Ne crains rien, moineau, et confiance. Je vais te sortir de là. Oh, faire un nouvel exploit. Quel est ton secret? J'ai une vie bien réglée. Je me brosse les dents après avoir mangé des sucreries. Alors, je me suis tué à élever 300 alligators là-bas en Floride pour ça? Rattrapez-les, maîtrisez-les et ramenez-les dans leur cave. D'accord, voilà, on y va. On aura vite fait avec ça. Oh, alors là, je crois que grâce à toi, on va avoir droit à des félicitations. Mais qui c'est qui m'a donné le bord d'un capable pareil? Alors ici, si on veut que quelque chose soit fait correctement, il faut toujours le faire soi-même. Arrêtez, ça n'a rien de drôle. On va voir s'il connaît le coup de la vieille godasse et des caisses. Vite, sauvez-moi, super chat. Oh, on nous bombarde avec des caisses alors qu'est-ce qu'on fait? Vite, moineau, le coup de l'extenseur. Oh, super chat, vous savez que vous êtes merveilleux. Évidemment que je le sais.
Mais dois-je dire que c'est un peu grâce à Moineau que j'ai réussi? Oh, comme c'est touchant, tout ça! Moi, je vais chercher un bâton pour donner un coup de collier. Vous avez compris? Un coup de collier. Il avait un hélicoptère qui était prêt. Il va réussir à s'enfuir. Oui, c'est ce qu'il croit, Moineau. Mais si je l'ai laissé partir, c'est dans l'intention de retrouver les colliers disparus. Oh, oh, super chat, mais quel est votre secret? C'est simple, beaucoup de matière grise, jamais de féculents et un régime à base calories. Je vous expliquerai tout ça plus tard. Mais je dois partir empêcher l'amuseur de disparaître avec d'autres colliers antipuces. Voilà le dernier des entrepôts que je n'ai pas encore cambriolé. Quand j'aurai emporté les colliers antipus qui se trouvent ici, j'aurai la ville tout entière qui viendra se gratter à mes pieds. Ça fait 21, 22, 23. Et bien... Oh non! Super chat! Oui, et qui vient mettre un terme à tes activités. Ça, c'est ce que tu crois. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, hein? Tu vois que tu ne mourras pas. Ne te réjouis pas si vite, tu sais que Super Chat a plus d'un tour dans ses moustaches. Et voilà. J'en ai assez, c'est toujours moi qui perds. Le gang des colliers démasqué par Super Chat. Super Chat, que deviendrait la police de cette ville sans vous? Que deviendrait chacun de nous sans lui? Ah, un secours! Je t'en prie, à toi. Va-t'en tout de suite d'ici, grosse baudruche, ou je te griffe le museau. Ah, il fait rien. Par quoi, quoi? Qu'est-ce que j'ai entendu? Je suis complètement fou, moi, de dire ça. Oh, attends un peu que je t'attrape, moi. Je vais t'arracher les moustaches. Oh là là. Oh, bah, c'est un bâton. Oh, mais il marche dessus, maintenant. J'en ai assez de ce chien, j'en ai assez! C'est pas fait exprès, il m'en rue. Oh, oh, tu es mon sauveur! Ah, très bon le coup de la poubelle, Waldo. Je savais pas si courageux. Non, oui, tu es un vrai héros. Oui, oui, je crois, mais je suis modeste quand même.